Yes, if you go on twitch.tv right now, /61zil, S-I-X-O-N-E-Z-I-L, I will shave my head for you. Come in chat and say hey, I promise I will do it. On est en train de le bait parce que de toute façon je vais le faire, mais il croit que c'est pour lui quoi. A potato? Wait, I'm coming because I can't hear you. I'm coming, don't shoot. Oh my god, silence! What did you say? I don't want you to look like a potato. But why not? You have the chance to make me shave my head. Why don't you want to do that? Nah, man. I'm disappointed. I'm gonna find someone else. Ça s'entraide n'a aucun sens. Yo! Are you alive? Yeah. Ah, you won, didn't you? Oh. Whoa, stop. Wait. I have a surprise. Okay. So, wait. I have a surprise for you. Don't shoot. I promise. I will shave my head for you. Do you want to see it? What? Can you repeat? I will shave my head for you. Live stream. I will shave my head for you. Do you want to see it? You drop me your helmet. Oh, I can't understand because my English is very, very bad. Ah, okay. Me shave head. Like brrrr. Il parle pas anglais, putain. Shave your head? Yes. Or my head? No, my head. Twitch, live. You shave? Yes, okay. Live. Okay. Il s'en fout. I'm looting my friend, okay? Yeah, do it. Il s'en fout, il capte rien, c'est pas grave, on s'en va. Bon les gars, c'est le temps du sacrifice. Yeah, great game. Bye man. Bye. Love you. Thank you. I too love you. J'ai réfléchi, bah à mon avis c'est à base de ça quoi. J'ai pas envie de le faire, je vais pas vous mentir, j'ai pas envie. Je sais même pas comment je vais m'y prendre. Je vais chercher un tabouret, j'arrive. MRS, si t'es là, c'est pour toi. Alors, j'ai prévu, j'ai choisi, pour pas trop foutre le bordel, comment dire, c'est une idée de merde, mais c'est moins une idée de merde que l'idée de base. Donc l'idée de base, c'est d'enlever le... Ah, je sais pas, en fait. Oh, jeune homme, ceci est un UQT. Tu es venu apprendre Tarkov. Ah, je vous ai bien niqué, on va faire ça. Il dit, je me rase à 1000 subs et mets un sabot. 10 bonnes idées. Bah oui, je suis stressé parce que j'ai pas envie de foutre le bordel à mon bureau, déjà. Bah, attends, on peut faire un test sans sabot et avec sabot, c'est quoi la différence? On teste vite fait, tu vois. C'est quoi le problème? Ça a même pas coupé, putain. Ça a fait... Ça a pas coupé. Attends. Si, ça a coupé un peu, ouais. Putain, j'ai les cheveux gris, Matsa, chat. Après, je peux faire petit à petit comme ça, et je les mets dans la poubelle, et on met 10 heures à le faire, et puis voilà. Hein. Mais et honnêtement, ça se voit pas trop comme ça. Hein. Genre, là, c'est chill. Là, c'est comme d'hab, tu vois. C'est ça, le carré, quoi. Bon, allez. Et on n'est pas là pour enfiler des perles, hein. T'as plus le choix maintenant? Bah si, j'ai le choix. Je peux juste avoir un petit carré ici, je peux avoir un grand carré là. On verra après, on va faire un carré autour et voir ce que ça va donner. Les gars. Cosplay portugais. Et je peux faire la blague parce que je suis portugais. Une heure pour la coupe. Mais et, mec, je dois rentabiliser ce truc. Comment je vais... Moi, je travaille après, hein. Je dois aller chez des gens, tu vois. Juste voir la différence de taille pour voir c'est quoi le mieux, quoi. Ça va. Ah, c'est délicat, hein. Y'a quand même une différence. Y'a quand même une petite différence de taille, quoi. T'as demandé un bonnet pour ton anif? J'avoue, j'ai pas de bonnet, quoi. Si, je dois avoir un bonnet. On dirait que j'ai pas de cerveau, putain. C'est trop space. Mais non, on dirait Tchab. Ah, je suis pas dans le champ, là. Attends, ouais. Je me vois dans le retour, c'est violent, quoi. Putain, ce qu'on ferait pas pour 50 euros et 30 vues sur YouTube, hein, quand même. Ça, c'est sexy, ça. Moi, je pense qu'on va laisser ça ici. Je pense que si je laisse juste ça, il y a quelque chose, quoi. Pour info, les gars, et je vais pas l'acheter sous le bus ou quoi, mais Hélène, dans le chat, c'est Mini Patate 12, ok? Mini Patate 12, c'est Hélène. Qui vient demain devant ça, quoi. Elle va pas aimer, hein. Putain, une coupe samouraï. Laisse un mullet. Mais je peux pas faire un mullet à l'arrière, quoi. Ou c'est un petit mullet latéral ici. Et de l'autre côté, ça va comment? Bon, on termine ou quoi? On est... Un étoile partout. J'aime pas. J'aurais dû faire venir ta mère sur le stream. Mec, c'est ta mère que je vais faire venir sur le stream si ça continue. On va pas faire les mêmes vidéos, hein. C'est mon frère, pour info, on a la même mère. Merde! J'ai changé les settings sans faire exprès, j'ai bougé le truc. Là, il y a plus de poils qu'il n'y a de pitch, hein, pour info, en kilo, quoi. En atomes, il y a plus, quoi. subs, le coup de rasoir. C'est Hélène qui décide, c'est plus moi là. Là, c'est plus moi qui décide, c'est elle. Je vous demande à Mini Patate, moi je fais plus rien.
Je m'appelle Johnny Depp. Cousin de Johnny Depp. Vous avez tous des commentaires à la con. Bonjour Chab, ouais c'est vraiment ça. Je me transforme en Chab, ça tourne mal. Merci beaucoup les gars, merci beaucoup vraiment, du fond du cœur. C'est quoi ? Discours, petit discours. J'ai rien prévu mais je pense que c'est approprié pour l'instant. Avec mon vieux t-shirt Rise Up, on arrive encore à lire Rise Up, mais maintenant tout ce qu'on voit c'est mes petites tatches remplies de la sauce du quick. Donc, laissez-moi un peu m'exprimer sur pourquoi est-ce qu'on s'est rasé la tête. Parce qu'il y a une signification à cette connerie aussi. Il s'est passé des choses en un an. Si vous voulez, par curiosité, vous êtes pas obligé, on s'en fout. Plutôt que d'aller sur twitch.tv/sixonezil, vous pouvez aller sur... Putain, quel bordel. Si vous êtes sur twitchtracker.com/sixonezil, vous allez voir toutes mes stats de ces 18 derniers mois. Puisqu'on a commencé à streamer en février, genre 14-15 février 2021. On avait déjà streamé avant dans le passé. J'ai essayé de tenir un horaire irrégulier. Puis après, j'ai essayé de tenir un horaire régulier mardi-jeudi pendant genre 9 mois. Mais je le tenais pas super bien, je faisais pas assez de vidéos, enfin voilà. Février, je me suis dit, tu sais quoi, fuck that, je vais vraiment streamer tous les jours, du lundi au vendredi, et je vais voir ce que ça va donner. En même temps, on fera des vidéos avec Doodle sur YouTube et tout. Et c'est là que ça a démarré. Et donc, vous pouvez voir qu'en janvier, on est grosso modo à 6 viewers, et on est à 0 sub, quoi. Réellement, ce qui s'est passé, c'est qu'en un an, on a réussi à trouver 15 000 personnes sur YouTube qui sont abonnées. Et ici, on doit avoir genre, je sais pas, 7000 followers, un truc comme ça. Je sais pas combien on est. Il y a plein de gens qui viennent regarder le stream tous les soirs. On n'est jamais en dessous de 200. Il y a un an, à cette date-ci, on n'était jamais au-dessus de 30, quoi. Donc, on a largement fait des chiffres de fou. Et c'est une progression vraiment, vraiment agréable. Et je suis super content. J'investis beaucoup de temps dans la chaîne. Je fais chier beaucoup de gens avec ça. Je demande de l'aide ici, je demande de l'aide là-bas. J'impose mes plannings à des personnes comme Hélène ou à mes amis qui voudraient me voir. Et je leur fais non, sorry, je suis pas là, je stream. Pour beaucoup de gens, c'est juste moi qui joue à un jeu vidéo. Mais pour moi, c'est beaucoup. En plus, pour moi, c'est mon projet, c'est mon bébé. Je veux que ça fonctionne et c'est le seul truc. Allez, que j'ai. Ça me ferait vraiment chier de foirer ce projet-là. J'ai déjà fait plein de petits projets dans ma vie, des trucs à la con, des trucs un peu plus gros. Et quand ça foire, je me dis, bon, bah allez, c'était pas très grave. Celui-ci, ça me ferait chier de l'abandonner ou d'échouer, quoi. Et du coup, avoir cette évolution que j'ai eue vraiment au tout début. Enfin, c'était des streams Battlefield, on était une dizaine, puis il y a eu du PUBG. Je faisais des vidéos nulles à chier, quoi. Quand je les regarde maintenant, c'est un peu la honte. C'est parti de là, et petit à petit, il y a des gens qui sont venus, et j'ai eu différents, vraiment, achievements, des moments où des gens m'ont dit, voilà, j'approuve ton travail, et je l'aime bien, quoi. Genre, il y a eu différentes étapes. Il y a eu, quand j'ai commencé à avoir des viewers réguliers, des gens qui venaient, des gars comme Melka, tu vois, qui viennent à tous les streams, que j'ai, parce qu'il me connaît en vrai, et donc il a été impacté par ça. Mais des gars que je vois ici maintenant tous les soirs, ça fait toujours, même s'ils passent que 5 minutes dire bonjour, je me dis, c'est des gens qui prennent du temps de leur journée et viennent me voir et me disent, c'est quoi Gilou ? Tiens, voici un petit peu d'amour, quoi. Et c'est toujours super chouette. Et puis il y a d'autres entités un peu plus sérieuses. On a d'abord eu en tout premier, je pense qu'en tout premier c'était IE qui est venu me chercher à l'époque de. À l'époque de Battlefield 5, ils m'ont dit « Ah bonjour, je m'appelle Pouet-Pouet, je vois tes vidéos, est-ce qu'on peut les partager et tout ?» Et moi, je savais pas comment réagir, j'ai paniqué, machin, qu'est-ce que je vais faire ? Ouais, vas-y, moi je voulais qu'ils les partagent, parce que sur le compte IE France officiel. À cette époque-là, j'avais 700 abonnés sur YouTube, 0 sur Twitch. Mais ça, je me suis dit « Putain, c'est marrant que IE vienne me chercher, que le community manager qui s'occupe de Battlefield vienne me voir et dire « Tiens, est-ce qu'on peut partager tes vidéos ?» Toujours est-il qu'il aurait pu ne rien faire, et il a choisi de venir me voir et de partager mes vidéos. Et puis après, on a eu le Dice Friends, puis on est devenu Game Changer, ce qui n'est pas non plus le truc ouf, mais c'est à chaque fois des petites étapes qui disent « C'est quoi Gilou ? Tiens, ton travail est récompensé de cette manière. » On a eu les premiers streams sponsorisés, les premières vidéos sponsorisées, je reçois de plus en plus de mails de gens qui veulent afficher leur marque chez moi. Et donc j'ai continué, des fois j'ai écouté ce que les gens disaient, des fois j'ai pas écouté ce que les gens disaient. Et voilà, j'apprends de mes erreurs, j'apprends de mes succès aussi, enfin j'essaie d'évoluer du mieux que je peux. Avoir les 1000 abonnés sur YouTube, j'étais content. Avoir les 10 000 sur YouTube, j'étais content. Au final, les sub Twitch, les 1077 qu'on a ici, c'est des followers qui payent. Des gens qui viennent, alors c'est beaucoup de gifts, ok. Des gens qui viennent voir le stream et qui payent pour voir leur stream alors qu'il est dispo tout pareil. Il y a zéro différence entre ceux qui payent et ceux qui payent pas, à part qu'ils peuvent mettre des emotes et qu'ils ont pas de pub. Il y a zéro différence, mais ces gens choisissent de payer quand même. Et 1000 c'est beaucoup. 1000 c'est beaucoup, quoi. C'est le top 0,1% de Twitch. Ce qui veut tout dire et rien dire. Je vois ici Batray qui dit « Zil, c'est le rendez-vous du soir avant d'aller se coucher. » Mais c'est ça, mais vous êtes mon rendez-vous du soir avant d'aller me coucher aussi, quoi. Je sais pas trop comment formuler ce que je ressens ou comment dire merci réellement, mais on essaye de faire... Parce qu'il n'y a pas que moi non plus. Moi, je suis un peu l'image, la face derrière le pseudo. Il y a toute une équipe, il y a tout un passé, il y a toute une culture, je vais dire Six One, même si c'est un peu tiré... Enfin,
C'est un peu trop de pète, mais je veux dire, il y a des gars comme LK qui sont là depuis super longtemps. Il y a Xav qui est là aussi depuis super longtemps. Il y a des gars comme Boris qui sont là aussi depuis super longtemps. Si je pense, il était là au tout début de Battlefield 5, lui. Et puis, on a toute l'équipe de ceux qui travaillent vraiment plus activement sur la chaîne. Je pense notamment à Pew, à Doodles, Touf aussi, c'est sympa. Il s'investit quand même pas mal. On a Anvil qui a fait plein de vidéos. On a Matt Avatar qui a fait des designs. On a une graphiste qui a fait des designs. On a plein de gens qui ont bossé sur la chaîne. Il n'y a rien de plus agréable comme sentiment que d'avoir une confirmation que ce qu'on fait fonctionne, est bien, est apprécié ou quoi. Et qu'il y a plein de gens qui aiment pas ce que je fais. Et c'est pas grave. On peut pas être aimé par tout le monde. Il y a plein de gens qui envoient des insultes. Ce qui compte, c'est que quand il y a 150 personnes devant moi et qu'il y en a 143 qui me disent « Bro, ça déchire », c'est qu'on est sur la bonne voie, quoi. Et du coup, on progresse et ça fait vraiment plaisir. Donc ouais, voilà. Au final, se raser la tête, c'est rigolo. Raser plus ici, c'est très rigolo. Mais c'est une façon de dire merci, quoi. C'est une façon de vous dire, voilà, je fais des vidéos tous les jours, presque. Enfin, 5 fois par semaine, 4 fois par semaine, en fonction de la marée, sur YouTube. Depuis quand même quelques semaines, ça, on tient bien le rythme. La chaîne est stable. On a assez de sous pour payer tous les gens de l'équipe. Enfin, tous les gens de l'équipe. On va pas payer les modérateurs, faut pas se foutre de ma gueule. Putain, tous les cœurs, quoi. Merci beaucoup, les gars. Je vois qu'il y a plein de cœurs qui défient. Merci beaucoup. Ça fait des petites émotions et tout. Merci. C'est voilà. Je suis là. Je fais de mon mieux. J'essaye vraiment. Genre, c'est pas. Pas une blague, quoi. J'essaye pas d'être un petit YouTuber qui met une vidéo de temps en temps. Je suis pas du genre à me dire. Oh, je suis un streamer chill, machin. On fait un stream. Non, j'essaye vraiment de. Je vise la qualité. Et la quantité, et la régularité, et un truc fun, accessible à tout le monde, et éducatif. Et j'essaie de tout couvrir le plus possible, et je me donne au maximum, puisque le but, c'est vraiment d'en faire une activité à temps plein, quoi. Ce qui n'est, voilà, ce qui n'est pas le cas tout de suite, mais bref. Merci à tous. Je vous aime vraiment du fond du cœur, tous.